Je vais vous montrer comment réaliser de meilleures improvisations en suivant trois étapes simples et enfin pouvoir vous éclater à la guitare. On fait du super basique, on va prendre la gamme de la mineure pentatonique. La première station, la première position, celle qui démarre à la cinquième case. Vous la connaissez et elle est super cool celle-là en fait parce que, eh bien, à la cinquième case, il y a toujours une note. On va déjà commencer par la première des choses, c'est quand vous prenez votre guitare, certains d'entre vous, faites cette erreur de bouger les doigts avant de savoir ce que vous allez jouer. Alors évidemment, c'est la bonne gamme, ce sont les bonnes notes, mais ça sonne pas vraiment comme de la musique. La première des choses, c'est donc de créer un phrasé. Et qui dit phrasé, dit que c'est en fait une petite construction mélodique. On parle de cette station numéro 1, c'est la première de la gamme. Pourquoi ? Parce que la première note de la gamme, c'est le La. Et le La, donc, c'est la première note. Donc, elle n'est pas difficile à trouver, cette note. Et vous l'avez sur la grosse corde comme vous l'avez sur la petite corde. Alors, je vais vous demander un petit effort maintenant, c'est de repérer cette septième case sur la corde de Ré, parce que c'est également un La. On peut le repérer avec les octaves comme ceci. Maintenant, vous allez construire des séries de notes qu'on va appeler phrasées et vous allez essayer de démarrer par cette fameuse note, le La, et ou de terminer vos phrases avec cette fameuse note. Un très bon moyen de faire varier votre jeu sans rien amener de nouveau, c'est de jouer la même phrase, mais à un autre endroit sur le manche. Ça nous amène à l'étape numéro 2, rajouter un groove. S'il n'y a pas de rythme, on va le dire simplement, il n'y a pas de musique. Si c'est joué en place, eh bien, simplement trois notes suffisent. Un phrasé, un groove, on a déjà les fondations d'un solo qui ressemble à quelque chose qui ressemble à de la musique. Après, vous pourrez toujours dire ça sonne bien, ça sonne pas bien, mais au moins il y a une structure, il y a un sens. Et la dernière des choses, il y aurait 10 000 choses à rajouter, mais ce sont les décorations, c'est tout ce qui va faire la personnalité de votre jeu, ce qui va donner ce petit côté organique et vivant. Et puis, vous pouvez rajouter des petits motifs un peu plus rapides, des choses qui vont donner du relief pour qu'on n'ait pas un solo, une improvisation totalement linéaire. On résume, vous allez créer des phrasés qui se basent autour de la tonique de votre gamme, de cette fameuse note cible. Vous créez des petits grooves, des petits motifs rythmiques répétitifs qui vont donner à votre improvisation du sens. Et ensuite, vous rajoutez des décorations qui vont donner à votre improvisation de la personnalité. Pourquoi je parle alors de trois secrets quand j'évoque simplement des étapes très basiques et très concrètes ? Si vous êtes resté jusque-là pour écouter ce que j'ai à vous dire, eh bien, c'est que vous êtes intéressé de vous améliorer à la guitare. Vous n'êtes pas comme la majorité qui ont écouté les deux premiers conseils et qui se sont dit « Oh, non, je préfère continuer à ma manière. » Vous allez obtenir des résultats et ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, je vous invite à continuer sur cette voie, à essayer d'aller au bout des choses plutôt que rester sur la surface. À vous de jouer, sortez le métronome, pratiquez votre instrument et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.